Eh bien, Barrès-et-Lagrave, pour moi, c'est mes racines, c'est un espace de vie, c'est une ville tranquille, agréable à vivre. À l'époque, moi, que j'ai connue, c'était plus vivant, on avait une rue commerçante, enfin, on avait tout sur place. Ben, ça évoque plein de souvenirs, parce que ça fait partie de ma vie. Mes parents, mes grands-parents sont nés sur cette ville. Même si je suis forain, si je traverse plein de villes en France et en Europe, c'est notre point d'attache, tous les ans, on revient sur cette ville. C'est notre ville de cœur et elle est conviviale. Barrès-et-Lagrave, pour moi, ça évoque une petite ville. La grave comme les graviers et les bâtiments qui sont principalement construits de pierre. Ça évoque en premier la Blanche. On a quand même un joli espace où on peut se balader, on peut... C'est le seul d'ailleurs. Ensuite, marécage, parce que beaucoup d'eau. Je trouve que c'est une ville quand même qui reste assez dynamique. Ça bouge. On a un petit centre malheureusement, mais qui reste quand même vivant. Barrès-et-Lagrave pour moi, c'est plutôt une ville moyenne, un peu tranquille, et puis qui donne aussi la possibilité pour les enfants d'avoir toutes les activités autour. L'école, le collège, la piscine. Barrès-et-Lagrave, ça évoque pour moi la ville où j'ai grandi quand j'étais plus petit. C'est une ville un peu plus calme. On y passe du bon temps avec nos copains et notre famille. Il y a plusieurs choses, on peut tout y faire, du sport, il y a beaucoup d'écoles, de collèges, des magasins. Ce que ça évoque pour moi, Barrès, c'est le côté paisible et vie familiale. La campagne, mais pas trop, la ville, mais pas trop. Le bon mix entre Bordeaux et le centre-ville et la campagne profonde. Ça m'évoque une ville évolutive, parce qu'avant ça faisait très village, maintenant ça fait très ville. Une ville attractive, mais d'un côté c'est aussi très stressant parce que du coup, commence à avoir beaucoup de monde. C'est une ville qui progresse vite, j'ai l'impression. Nous, on est arrivés ici il y a peu de temps, il y a 5 ans, et c'est vrai que même en 5 ans, je vois que la population augmente énormément et ouais, beaucoup de monde. Moi, ce que je sais et ce que je connais de cette ville, c'est surtout qu'au niveau culture, ils font pas mal de choses et je trouve ça super. Ça a beaucoup évolué aussi, hein. Ça se renouvelle au niveau des populations, ça se renouvelle au niveau des habitats. Barrès, ça reste une ville de famille, avec des loisirs, avec de la culture. Mais avant, c'était une ville un peu morte, parce qu'il n'y avait pas trop de monde et tout ça. Maintenant, ça s'est peuplé vachement, les gens sortent de Bordeaux. Et puis ça va, puis on a du monde, et puis ça amène du bien, ça amène des choses pas bien non plus, parce qu'il y a un peu de tout le monde qui arrive. Alors ce que ça évoque pour moi, c'est une expression que me disait mon ostéo, « Barrès, c'est pas grave ». Nous n'étant pas de la région, et on s'est mis en quête d'une maison à acheter, et quand mon compagnon a commencé à en parler à ses collègues, on lui a dit « Non, surtout pas Barrès-et-Lagrave, c'est mal fréquenté, il y a une population d'un faible niveau social, et on te conseille pas d'aller habiter là-bas ». Ça fait quand même 44 ans que je suis sur la commune, donc j'ai vu la commune grandir, l'évolution. Des aménagements qui ont des fois été réussis, d'autres qui ont été moins réussis. Barrès, elle a perdu une partie de son identité. Maintenant, il n'y a presque plus de commerce, presque plus de parking. Et il y a aussi des espaces verts qui ont diminué sérieusement sur la commune. Ça fait 10 ans à peu près maintenant que ça se dégrade de plus en plus. À l'heure actuelle, c'est devenu une ville dortoir. Les magasins ont disparu, il n'y a pas d'attractivité. Il y a eu beaucoup trop de constructions. Il fallait avoir un pourcentage de logements sociaux pour le gouvernement, tout ça. Ça s'est accéléré dans les bâtiments, pas dans le reste. Tout le reste a été mis de côté. Et aujourd'hui, c'est devenu une ville dortoir qui s'est malheureusement bétonisée, on va dire. Malheureusement, il y a un afflux de population qui arrive, ce qui est normal, qu'il faut accueillir. Les gens viennent, y habitent, partent le matin travailler, rentrent le soir, ne consomment pas sur Barrès. On peut le voir à travers notre centre-ville qui, au fur et à mesure des années passant, est devenu mort. On ne sait pas où commence ce centre-ville, on ne sait pas où finit notre centre-ville. Il n'y a pas de gros événements, il n'y a pas de bar pour profiter entre jeunes, se regrouper, etc. C'est pas très vivant. Mais je trouve que l'identité d'Barrès, elle est un peu sous l'identité de Bordeaux, en fait. C'est parce que j'ai l'impression qu'Barrès vit grâce à Bordeaux. Il y a des villages de 1000 habitants qui ont plus de vie, plus d'âme, plus de chaleur centrale. Barrès, on n'arrive pas à trouver son centre. Le centre est marqué par une rue piétonne avec des commerces qui galèrent, une place du marché, et puis c'est tout. Une ville qui n'arrive pas à avoir son identité, à se poser. Une ville qui reste attrayante, je pense, parce que c'est une ville à taille humaine. C'est ce qui la rend attirante. Le risque, c'est que justement, ça devienne une trop grosse ville.
Elle est en train de perdre ses limites et est-ce qu'elle ne va pas y perdre son identité? On ne sait pas. Elle est en train de construire son identité en fait. Il y a de nouveaux habitants depuis plusieurs années qui viennent, enfin de nouveaux types d'habitants si on peut dire. De plus en plus de familles, de jeunes familles je pense. Maintenant c'est à la ville aussi de s'adapter à cette nouvelle population et à cette nouvelle population de créer la ville en fait. Il faut surtout ça, conserver le marché, je pense. Justement, les gens comme moi, qui ne vont pas forcément dans les grandes surfaces, on a au moins à peu près tout ce dont on a besoin. Il y a quand même le marché tous les vendredis matin. Ça nous permet d'aller faire les courses, voir des produits frais, rencontrer les gens. Mais ce qui est bien, c'est les petits commerces ruraux. Là, on a un nouveau boulanger qui fait du bon pain. Après, on a un Super U qui est super. Nous, on a nos petits commerces, on s'en sort très bien. C'est quand même une campagne qui s'ouvre vers une ville. Ce qu'il y a de bien et qu'il faut garder en Barrès, c'est déjà tous les commerces qui marchent, les parkings, parce qu'on est nombreux et c'est bien qu'il y ait quand même des grands parkings à proximité des commerces et des écoles. L'accessibilité, les bus, le transport en commun, c'est très bien parce que je n'ai pas le permis. Donc du coup, j'utilise beaucoup le transport en commun. On est vite rendu sur les lieux de travail. On n'est pas loin de l'autoroute, on n'est pas loin un peu de tout, tout en étant pas loin de la grande ville de Bordeaux quand même. Ce que je trouve bien dans Barrès, c'est justement le fait qu'il y ait énormément d'associations, beaucoup d'activités. Par exemple, voilà, l'école de musique, le sport, les bibliothèques, ce qui permet de rester dans cette ville sans avoir besoin d'aller forcément ailleurs. Ce qu'il y a de bien et qu'on devrait garder en Barrès, c'est le pôle évasion, les écoles. Mais aussi les activités aux alentours qui sont bien. Au moins, ça évite de rester cloîtré chez soi et de ne pas bouger, de rien connaître. On a enfin une grande piscine à Barrès. La section sportive, l'ASA, est quand même assez intéressante. Il y a beaucoup de choix en sport. Ça reste à un prix très, très abordable. Donc ça, c'est une vraie force. Ce qui est bien, c'est justement la culture. On a une très belle bibliothèque qui est renouvelée régulièrement au niveau de ses ouvrages. On a des spectacles dans le pôle culturel régulièrement. Nous avons la grande chance en Barrès, justement, c'était d'avoir on a du patrimoine, que ce soit sur du bâti, les monuments, les marais, et notamment notre centre-ville. C'est une chance d'avoir le parc Charron, un poumon vert comme ça en plein centre-ville, chose que peu de communes ont, et je pense qu'il faut le préserver. Il faudrait garder aussi le charme des bâtiments. Il y a des jolis bâtiments en pierre, comme la bibliothèque, les coins en espace vert, parce que maintenant on en manque beaucoup. Par exemple, quand je suis à La Blanche, celui-là, cet étang, on ne dirait pas en Barrès, on ne dirait pas qu'on est dans une ville. La nature et la paix. Parce que depuis mon plus jeune âge, je crois que j'ai été élevée en pleine nature et je pense que c'est primordial. Qu'est-ce qu'il y a de bien qu'il faut garder en Barrès? Ce côté nature, campagne, le préserver. Pas qu'il y ait non plus trop de construction parce que bientôt on sera plus tranquille. Ça sera Bordeaux et Bordeaux, on n'en veut pas. C'est trop stressant. Qu'est-ce qui est bien en Barrès et qu'il faut garder? Nous, les Barésiennes, non, je ne sais pas. Il faut garder ce petit côté un peu familial qu'ont pas les grandes villes. C'est vrai que bon, on s'est étendu et on a quand même cet esprit un peu familial, un peu rural aussi. Moi, j'encouragerais à garder le côté paisible et le côté vie familiale, multigénérationnelle aussi. On n'a pas l'impression qu'il y a juste une génération, mais un petit peu toutes les générations qui peuvent se mélanger et vivre ensemble. Depuis quelques années, les deux communautés, que ce soit celle des gens du voyage ou celle des sédentaires, on a appris à se connaître. Ce qu'il faut regarder, c'est cette approche les uns des autres, ce contact et cette découverte des deux cultures qui sont tout à fait différentes. Vivre ensemble, c'est quelque chose de très important. Cette volonté de mixité, il faut garder ça à tout prix. Il faut garder, c'est de la communication, c'est des échanges entre les différentes couches sociales. Ce qu'il faut garder, voilà, c'est l'ouverture des uns sur les autres. Je pense qu'il faut garder l'écoute.
Embarras, c'est la grave, ce qu'il faudrait changer, qu'il y ait un peu plus de sécurité, un petit peu moins de délinquance chez les jeunes. Je vois comment les jeunes, ils se parlent entre eux et j'ai pas envie que demain, ma fille de 7 ans, elle se comporte comme ça. Je trouve quand même qu'Embarras, la grave, elle est pas très très propre. Dans certains quartiers, elle est même vraiment indésirable. Je pense qu'Embarras peut faire un effort de mettre les poubelles un petit peu partout. Moi, j'habite le quartier de la Blanche. Et au niveau de ces rues, les trottoirs sont pas faits. Donc, si vous voulez, il y a des véhicules qui stationnent un peu à droite et à gauche. Alors, c'est difficile des fois de se croiser. On a beaucoup de véhicules qui vont très vite. Je pense qu'il y a une certaine de mise en danger d'autrui. Parce qu'il y a des enfants, il y a des gens qui sont à pied, il y a des gens qui sont en vélo. Même s'il y a des transports en commun, ils sont quand même limités. Quand on n'est pas motorisé, ce n'est pas forcément facile de se rendre un peu partout. Pour ce qui est du train, il y a deux gares qui ne sont pas équipées en bornes de tickets ni en composteur. Que pour accéder à la gare de la Grave d'Embarras, il n'y a pas de trottoir, qu'il n'y a pas de bus qui nous y amène. Alors ce qu'il faut améliorer en priorité à Embarras, c'est ce problème de circulation, je trouve qu'il empire. À partir de 9h30-10h, ça roule, mais le matin, c'est donc le jour de marché, n'en parlons même pas. Systématiquement, on avait droit à la police dès le matin pour les stationnements et tout ça, mais on était limité aussi. Donc tout le monde se garait un peu partout, sur les trottoirs, là on pouvait. Ce qu'il faudrait changer ou améliorer, rajouter des parkings pour que les gens, parce qu'il y a de plus en plus de logements, mais plus assez de place. Donc forcément, au bout d'un moment, ça commence à coincer un peu. Pour les gens qui veulent venir ici consommer, c'est compliqué pour se garer. Ouais. Peut-être faire un cheminement plus doux au niveau des commerces, pour justement attirer les gens vers les commerces. Une meilleure signalétique ou je sais pas. Développer la mobilité, je pense. Il faudrait améliorer la circulation cyclable. Aller au-delà d'un dessin d'un vélo sur le sol, qui certes autorise à rouler à cet endroit-là, mais ne sécurise pas. Ce qu'il faudrait changer ou améliorer d'abord, ce serait les voies cyclables. Parce que la plupart des voies cyclables que je prends dans le coin, et elles sont chaotiques. Genre fissures de partout, ça se voit que c'est pistes cyclables qui doivent dater de la création de Séville. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Tout ce qui est point d'accès au niveau à des personnes à mobilité réduite. C'est qu'il n'y a pas de point d'accès parce qu'apparemment il n'y a pas la disponibilité au niveau de l'élargissement. Donc je pense que ça c'est un gros point à travailler. Étant donné que je suis limitée, je suis hémiplégique, je suis dépendante, je pense que la priorité c'est les accès dans tous les domaines, l'accès facilité. En priorité, moi ce que j'aimerais, ça serait plus de petits commerces, de petits restaurants. Pour moi, ce serait vraiment une identité plus forte, quoi, d'avoir vraiment un vrai centre-ville où on puisse vraiment échanger. Déjà, je dirais la rue Edmond Folla, faudrait la dynamiser. C'est une rue qui est éteinte, je trouve, et peut-être miser sur certains commerces qui manquent pour refaire vivre un peu cette rue et éventuellement la réouvrir ou la réorganiser en déplaçant le marché dans cette rue. Alors ce qu'il faudrait changer pour moi, c'est cette place ici, voilà, place du marché. Moi je trouve que les commerces qui sont sur cette place là, sur le parking, ça donne pas du tout envie d'y aller. Il y a quelque chose à transformer ici et dans la rue Edmond Folla. Là c'est trop de commerces fantômes. On se croirait dans un western, quoi. Donc moi j'aimerais bien qu'on réanime ces vitrines morte. Nous, ce qu'on aimerait, ce serait d'avoir une épicerie, d'avoir un poissonnier, d'avoir un primeur, ce genre de choses. Un peu plus de proximité à ce niveau-là. Bah, parce que j'aime bien, moi, aller faire mes petites courses comme ça. Et puis, j'aime pas trop prendre la voiture pour aller m'enfermer dans un grand magasin. Embarras, ce qu'il faudrait changer en priorité, c'est déjà calmer un petit peu les logements, la construction de nouveaux logements, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais les infrastructures, par exemple les eaux usées, etc., n'ont pas suivi. Donc à un moment donné, ça sature. Alors premièrement, ce qu'il faudrait changer, ce sont toutes les constructions. Il faut arrêter. Je pense qu'à l'heure actuelle, il faut arrêter d'accueillir des nouveaux habitants. Il faut remettre tout à plat. Toutes les écoles sont surchargées. Infrastructure, route, sécurité, ça n'a pas bougé. Ça, il faut l'améliorer. Pour améliorer Embarras, déjà, il faudrait, je pense, arrêter de construire des logements. Il faut aussi penser, s'il y a des gens qui arrivent, il faut aménager aussi, en conséquence, la ville d'Embarras. Je pense notamment aux structures petite enfance. Moi, je travaille en micro-crèche. On est débordé de demandes de parents qui veulent trouver des solutions de garde pour leurs enfants. Je pense que ce qu'il faudrait améliorer sur Embarras,
c'est la prise en charge de la jeunesse actuelle. Certains vont dans des associations, vont dans des clubs sportifs, mais il y a quand même une masse importante d'élèves qui, je pense, se retrouvent sans trop d'activités possibles. Ça pourrait être par exemple la création de foyers de jeunes ouverts. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer en Barès et la Grave ? Ce serait tout ce qui est animation, événementiel, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont là. Pouvoir profiter de la ville, sortir à pied, pouvoir y accéder à pied, comme des bars, donner envie aux gens de rester dans la ville, de faire vivre la ville, de lui permettre de prospérer un peu. Plus de restaurants, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Cinéma peut-être, parce qu'à chaque fois, il faut aller courir dans une autre ville. Même si c'est à côté, quand même, c'est mieux d'être dans Barès. En Barès n'attire pas les gens qui n'y habitent pas. Et je pense qu'il faudrait développer plus d'activités qui pourraient attirer des étrangers dans Barès. Des lieux de rencontre, peut-être même des bars associatifs avec diffusion des matchs ou intervenants musicaux. Ce serait bien qu'il y ait un peu plus d'activité, surtout le dimanche. Ce dimanche, c'est ville morte, quoi. Quand j'étais petite, il y avait beaucoup de kermesses, une kermesse communale, quoi. Et peut-être plus de trucs festifs, quoi. Mais pour faire vivre la ville. Il nous manque cet emplacement où on pourrait mettre à la fois les fêtes foraines quand ils arrivent sur la ville, pour les vide-greniers, pour les spectacles de cirque, mettre des concerts, mettre des compagnies, enfin plein de choses qui touchent à la culture, qui touchent au partage et au sourire, où les gens puissent se retrouver. C'est essayer de recréer des espaces de vie intergénérationnels pour nos seniors, pour nos jeunes, pour redynamiser notre centre-ville et créer des lieux de convivialité sur Ambarès et la Grave. Où on retrouve notre cœur de ville ici, où les gens pourraient s'identifier là. Il faut sans doute favoriser les rencontres avec des anciens et des nouveaux qui puissent retracer un peu ce qu'était la vie du quartier avant. Je crois qu'on ne peut pas intégrer ou assimiler une population nouvelle sans lui dire ce qu'était Ambarès avant et quels étaient ses points forts dans tous les domaines. Donner aux gens le plaisir de venir ici, et l'envie surtout. Faire des sortes de mini-foires, on va dire, entre guillemets, assemblées de commerçants ou quoi, sur la place pour se présenter, faire des stands, plusieurs, pour qu'on voit un peu les élus, parce qu'on les voit pas, enfin, on les voit pratiquement pas. Donc ça permettrait un peu que les gens les connaissent et qu'il y ait un peu plus de rapprochement, on va dire, et de communication. Si on veut savoir ce que les gens veulent, il faut les écouter. Avoir plus de dialogue avec les gens de la mairie, avoir plus, comme là, maintenant, c'est très bien ce que vous faites, comme ça, voir, discuter avec plein de personnes, avoir leur opinion, et déjà ça donne une valeur pour les gens qui habitent en Barès. Ça fait plaisir, ça fait voir qu'ils s'intéressent à nous. Pour moi, je trouve qu'un Barès et la Grave devrait se refaire un nom. Si je serai à la place du maire, je serai une ville 100% écolo et 100% propre. Innovante sur la biodiversité, sur les logements autonomes, l'énergie renouvelable, du compostage, mettre un peu plus d'arbres, faites des aménagements, si vous voulez, mais respectez l'environnement et respectez la faune et la flore. Pour que ce soit une réussite, ce projet, déjà, il devrait être écologique. Il faudrait éviter que tout soit bétonné. Laisser de l'espace vert, laisser quelques arbres, laisser des activités en plein air. Ou un parc où les gens pourraient se retrouver. Mais éviter de refaire tout le temps les mêmes bêtises, parce que sinon, ce serait plus un parc, ce serait un bout de ville. Alors l'enjeu fondamental pour moi, ce serait qu'ils respectent la nature. Et que ça soit vraiment intégré dans le paysage sans que ça défigure le paysage. Parce que ça montre l'image de la ville. C'est à l'entrée de la ville. Donc c'est important quand même. Il faut que ça soit joli, que ça s'intègre et que ça fasse vivant. Il faut que ça donne envie aux gens d'y aller. Alors, pour que ce projet soit une belle réussite, il faudrait qu'il n'existe pas, tout simplement. Pour le moment, je suis contre. Il faut penser autrement le centre-ville. Oui, le penser pour qu'il soit attractif. Pas des bâtiments qui seront des bâtiments dortoirs, encore une fois. Alors déjà, je ne vous cache pas que ça me fait un petit peu peur. Moi, dans l'idéal, j'aimerais que ce soit des logements qui accueilleraient aussi différents niveaux sociaux et pas juste des logements pour les loyers très modérés. C'est important pour la vie de quartier, au niveau des fréquentations aussi. Il faut construire, mais il faut préserver quand même un peu la campagne, faire de petites résidences. C'est plus joli déjà, esthétique. Ça donne plus envie de venir à Ambarès. Pour que la commune reste assez agréable, que les bâtiments ne soient pas trop pour le point de vue, d'une part, et comme ça, les gens se sentiraient, je pense, plus à l'aise dans des petites résidences. Il faudrait qu'on arrive à faire derrière des immeubles qui ne soient pas
pas des cases à lapins. Et moi, je suis pour les trucs qui vont se faire pour ouvrir sur la rue de Montfaucon. Oui, oui, moi, je le vois bien, mais après, c'est arriver à animer pour que ça fonctionne bien. Au niveau des résidences, donc moi je trouve que c'est une bonne idée parce que bon, les gens qui sont en recherche de logement, il y en a de plus en plus. Hein. Les gens arrivent partout sur les communes. En Barès, en plus, maintenant, commence aussi à saturer. Donc, logement, ben, c'est très bien parce que des écoles, je pense qu'on a ce qu'il faut. Donc, ils auront aussi les écoles pour scolariser leurs enfants. Ce qui serait bien aussi, effectivement, ça serait qu'il y ait des constructions T2 ou T3, pas plus grand. Moi, je vois un truc, des constructions assez modernes, contemporaines et qui seraient effectivement en bois. Partout c'est du bois, je pense que c'est une mauvaise idée parce qu'au bout de 3-4 ans, c'est mort. Donc partir sur un système comme de la tôle ondulée ou des trucs comme ça pour qu'il n'y ait pas trop d'entretien. Pour que ce soit une réussite, je pense que les bâtiments devraient ressembler à des bâtiments un peu comme il y a déjà dans le centre-ville. Des bâtiments en pierre, je trouve que ça ferait super joli sans que ce soit de façon radicale, par exemple avec des infrastructures simplement en tôle. Il faut qu'il y ait un peu de charme. Bien évidemment, il faut songer au design, mais c'est très subjectif. Éviter les formes cubiques qui sont privilégiées de nos jours mais que les gens détestent et tout le monde dit la même chose à ce niveau-là, c'est moche. L'enjeu fondamental pour l'aménagement, déjà qu'il y ait une bonne entente entre les constructeurs, les Bordeaux Métropole et la mairie. Là, il ne faut pas qu'ils se loupent là-dessus parce que des fois, ils font des constructions, mais on se dit, mais qui c'est qui a pensé le problème ? L'enjeu fondamental, c'est qu'il faut que l'ensemble du réaménagement soit travaillé, soit conçu, discuté et approuvé. On ne peut pas y aller par petites touches successives sans avoir une vue globale de ce que doit être cet espace à reconquérir. Je pense que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une vision à long terme, à l'époque du vite fait, instantané. Moi, je pense que quand on construit un bâtiment, il faut imaginer que ce bâtiment, dans un siècle ou deux, il puisse encore servir à être debout. Je vois de plus en plus d'habitations qui sont très contemporaines, mais dans 20 ans, peut-être qu'elles ne le seront plus du tout. Donc, il ne faut pas forcément penser à maintenant, mais penser dans le futur, comment ça va vieillir. C'est important. Je pense que ça manque dans l'architecture. Je leur dirais de prendre leur temps, de faire ça bien, de ne pas faire un truc vite fait, parce que bah, les habitants, il faut qu'ils se sentent bien, il faut qu'ils aiment cette ville, il faut qu'il y ait des choses pour que ce soit plus beau, plus cocon. Un beau parc, de belles maisons, même s'il ne faut pas en faire beaucoup, en faire des biens. L'enjeu fondamental pour ce projet, je pense que c'est l'ouverture sur le parc. Et de la signalétique surtout aussi, quoi. Avant que cette histoire de projet existe, je ne savais même pas qu'il y avait un parc derrière la mairie. Agrandir, faire un joli portail, comme un peu les parcs sur Bordeaux, qui donnent envie d'aller de l'autre côté, quoi. Pour que ce projet soit réussi, il faut faire de la pub. Également, peut-être pour ouvrir justement, parce que comme ça fait un mur en fait, donc on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc peut-être faire une grosse ouverture avec une arche. Pour réussir les ouvertures sur l'espace vert, peut-être ajouter des plantes un peu sur les murs, essayer d'amener le centre-ville vers un espace vert qui soit comme une transition un peu vers le naturel, quoi. En Barès, à plusieurs spots nature, on a le quartier de la Blanche, on a les parcs. Ce petit pôle-là du Gard devrait s'inscrire vraiment dans une balade nature beaucoup plus large sur le territoire. Et peut-être que ce soit aussi un point de départ pour une circulation douce ou pédestre dans d'autres secteurs d'Ambarès qui sont encore un petit peu préservés. Ouvrir l'arrière de l'espace vert vers le centre, faire peut-être plusieurs rues piétonnes, ça éviterait aussi trop d'encombrement au centre pour les voitures. Pour nous, commerce, ça ferait dynamiser ce centre-ville, ça agrandirait le centre-ville. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que justement, ça soit des chemins qui ne soient pas empruntables par les voitures, quoi. Ce soit des chemins où on puisse se balader en vélo, en poussette, à pied. Un endroit un peu isolé de la circulation, du bruit, où on puisse se ressourcer. L'enjeu fondamental pour l'aménagement du cœur de ville, c'est l'accessibilité, parce que justement, il y a quand même beaucoup de personnes, notamment les handicapés, qui se plaignent qu'on ait du mal à accéder quelque part. Et vraiment limiter la circulation dans la zone d'habitation, ça reste réservé surtout aux habitants de ces logements-là. Déjà qu'on est saturé, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à comment aménager cette résidence sans pour autant impacter encore sur la circulation qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment la fluidifier, cette circulation. Ça devient vraiment un handicap. Ouvrir, c'est bien. Donner l'accès, c'est bien. Mais il faut de la place pour que les gens puissent faire les allers-retours. S'ils ont une voiture, il faut qu'ils puissent y accéder. Et qu'ils puissent bien sûr stationner pour pouvoir profiter des commerces alentours. L'enjeu fondamental, refaire vivre le centre-ville d'Ambarès, qui pour moi est en train de mourir.
contacts et ces devantures fantômes en sont la preuve. Pour nous, c'est ce qui risque de nous faire partir, en fait. Parce qu'on aime la vie locale, on aime faire travailler les petits commerçants plutôt que les grandes surfaces, et que ça, ici, on ne le trouve pas. Et si on a vraiment un projet de redynamiser notre centre-ville, il faut aller démarcher des commerçants qui viendraient s'installer sur Ambarès avec des projets innovants, avec des loyers modérés, en les accompagnant, en leur faisant leur pub, voilà, en mettant tous les atouts de notre côté pour arriver à trouver une autre dynamique. Et il faudrait amener des commerces. Mais pour ça, il faut que ça soit attractif. Il faut que les prix ne soient pas exorbitants. Là, sur le nouveau projet, il y a effectivement des locaux qui sont prévus pour des magasins. Et ça fait quand même un moment que c'est construit et il n'y a toujours rien, quoi. L'enjeu fondamental pour ce projet, la communication autour du projet, l'information aux habitants de la région. Il faudrait un rayonnement régional, très certainement, ne serait-ce que pour que le projet puisse rapporter quelque chose. Ouvrir la ville aux autres communes, leur donner envie de venir par des structures qu'ils ne trouveraient pas nécessairement ailleurs. Mais pour pallier un petit peu les défauts, je dirais, d'Ambarès, forcément j'y mettrais des choses comme la restauration. Et des choses un petit peu familiales, ludiques, un parcours de santé, une ferme pédagogique, quelque chose qui est lié au développement durable ou à l'écologie. Peut-être quelque chose qui est lié à l'histoire aussi de la ville d'Ambarès, je sais pas, mais des choses qui vont donner envie de se rassembler. De quoi est-ce qu'on a besoin? Ça serait pas mal d'avoir un café, un lieu un peu ouvert, mais pas n'importe quoi comme café, peut-être un café associatif qui impliquerait donc des gens d'ici, qui développeraient des actions au quotidien pour la petite enfance, pour la vieille enfance. avoir de la diversité. Et de l'originalité. Parce que moi, je suis sûr qu'à l'heure actuelle, ce qui est pérenne et ce qui est durable, c'est de l'originalité. Alors moi je pense que les aménagements doivent être des aménagements très simples et à la portée de tous, que chacun s'y retrouve, qu'on ne puisse pas simplement sélectionner qu'une catégorie de personnes. Alors pour que ça soit une réussite, cet aménagement devrait être un lieu où tout le monde puisse se réunir, que ça ne soit pas que les jeunes, que les personnes âgées ou que les trentenaires, que ça mélange un peu toutes les tranches d'âge. Il faudrait remodeler le terrain, mettre des jeux pour les enfants, ici le terrain de jeu pour les gamins, il n'y en a pas. Il y a un petit truc là-bas, insignifiant au bout d'un parc. Il n'y en a pas assez. Aujourd'hui, on a le City, et c'est tout ce qu'il y a pour les adolescents. Si on leur proposait des structures, un skatepark, un coin pour faire de la trottinette, basket, vraiment une aire pour les ados, je vous assure qu'on les verrait beaucoup plus là. Et à faire ces choses-là, pas aller faire n'importe quoi sur les autres parcs. Il y a des bâtiments là qui ne sont pas utilisés. Il ne faudrait pas les détruire, justement, s'en servir. Parce que voilà, les parcs, les espaces verts, on y va quand il fait beau. Mais quand il pleut, on va où? Il est où cet échange l'hiver? La petite idée que ma fille de 16 ans a eue pour l'entrepôt Albert, un espace pour les jeunes, avec des canapés, un billard, avec un espace où ils peuvent discuter, se retrouver. Que ça puisse servir aussi pour les gens de Bordeaux, de l'extérieur, qui puissent venir se promener sur notre ville, qui puissent se retrouver à cet endroit, dire on va aller en Barès, il y a un petit coin qui est super, où on est tranquille, on peut bouquiner, on peut faire plein de choses. Et aussi construire des locaux qui puissent servir à des artisans, qui puissent amener de l'art, si vous voulez. L'enjeu fondamental, ça serait, la convivialité. C'est-à-dire pouvoir parler avec son voisin, parce qu'on se connaît, peut-être sans plus, bonjour, au revoir. La convivialité est importante pour que les personnes se sentent bien dans leur ville. Alors pour moi, l'enjeu fondamental, ça serait que ça rassemble au maximum les gens de la ville, qu'on apprenne à peut-être un peu plus à se côtoyer, autre que de sortir de sa maison pour amener les enfants à l'école et rentrer du travail après et n'avoir croisé personne de notre commune. Qu'on puisse avoir une rencontre entre des générations, des jeunes et moins jeunes, plus sur culte aussi, parce qu'ici à Ambarès, il y a quand même pas mal de cultures différentes. Si j'avais un mot à dire à l'aménageur et à la mairie d'Ambarès, ce serait d'écouter ses concitoyens. Parce que je pense que nous vivons sur Ambarès, donc nous savons les points faibles et les points forts du centre-ville, et du coup, d'écouter ses habitants, ce serait vraiment bien, mais tous les habitants. Pour que ce soit une réussite, il faut de la concertation. Après, ce projet, j'en veux pas. Tel quel il est présenté aujourd'hui, j'en veux pas. Qu'il fallait justement recréer quelque chose d'intergénérationnel et préserver absolument ce lieu où ça serait un lieu de vie très très agréable pour tous les Ambarésiens. Je crois que vous l'avez envisagé, c'est celui de se consulter, de voir ce que les habitants attendent, pour essayer de voir si on peut répondre à leur attente. C'était la première chose à faire, parce que c'est pour la bonne entente dans la commune.
C'est en bonne voie. Je pense qu'il faut prendre l'avis des gens qui vivent sur place et qui vont être les utilisateurs, les bénéficiaires de ces nouveaux espaces. C'est un mot que j'aime bien utiliser, c'est un compromix, en fait, entre les besoins des gens. Voilà. Donc, je pense qu'il faut faire confiance aux gens dont c'est le métier, qui pratiquent, qui connaissent, qui ont de l'histoire, mais qui savent écouter, comme on vient de dire, les besoins de la population. Ben, je pense que l'enjeu fondamental, ça serait de respecter l'avis de la majorité des Embarésiens, quoi, et de ne pas avoir fait cette concertation et de se retrouver avec un projet qui n'aurait absolument rien à voir. Je pense qu'il y aurait une grosse déception de la part de tout le monde. Parce qu'il ne doit pas y en avoir 50 zones comme ça qui sont encore préservées. Là, ils ont une occasion unique de faire vraiment quelque chose de bien et de tirer la ville vers le haut, donc ben, il ne faut pas qu'ils se ratent, quoi. Moi, je pense que la démarche est bonne, celle de concerter les gens, d'avoir leur vision comme s'ils étaient finalement eux aussi concurrents et possiblement candidats retenus. Donc il faut se donner le temps de la réflexion et donc de voir quelles sont les idées qui émergent et qui peuvent être intégrées dans ce qu'auront conçu de leur côté les trois candidats. Et il ne faut pas que la copie soit finie. Je pense que la copie doit être amendable. C'est ce qu'il ne faut pas louper, que les gens se sentent concernés, que les gens se sentent participants, que les gens s'y retrouvent, qu'il y ait une part de nous, en Barésiens, dans ce projet et forcément qu'après j'y aille vivre ou pas. Si il y a une partie de moi, je vais avoir envie d'y aller. D'écouter les Embarésiens, ils ont leur mot à dire. La ville fait partie de leur cœur et de leur vie. Ils ont besoin de savoir ce qui se passe sur cette ville. Et écouter tous ces gens qui ont donné cette interview. Il y a des mots différents, des pensées différentes. À vous de juger les meilleures pensées, mais pensez à eux aussi. Écoutez-nous et continuez de croire en de belles choses, en fait. Et des choses qui permettent de réunir un maximum de gens autour d'une vie commune, d'une ville commune.